Benoît Loiseau est un facteur de piano pas comme les autres. En plus de l'accordage et de la réparation, depuis quelques années, il donne un second souffle à des instruments hors d'usage. On vient me demander si je peux pas transformer, leur proposer une solution, une proposition de transformation de leur piano en pièce unique. Pour les gens, c'est très important, parce que ça permet de garder le piano de famille, mais pour beaucoup, le piano n'est pas forcément réparable. J'aime bien cette idée-là, de proposer une solution en fait, à n'importe quel piano pour permettre aux gens de garder leur piano de famille ou sans que ce soit non plus un piano qui se désagrège. Des idées, Benoît Loiseau en a plein la tête. Son dernier projet en date, c'est cet instrument hybride, un piano acoustique qui intègre toutes les fonctionnalités d'un instrument numérique. J'ai équipé le piano d'un système silencieux. Ça, c'est des systèmes qui existent depuis 40 ans, qui sont fiables, qui ont fait leurs preuves. Et j'ai couplé le système silencieux à une nouvelle technologie qu'on appelle transducteur, qui permet de faire vibrer la table d'harmonie de la même manière que les cordes. Là, on a le piano en acoustique. On peut faire en sorte de bloquer le mécanisme pour pas que les marteaux aillent taper sur les cordes. Et du coup, on l'entend au casque. Si je mets le casque sur les oreilles. Et si vous voulez voir ce que j'entends, après, le système transducteur peut prendre le relais. Il suffit de monter le volume. Il est aussi possible de coupler les deux, l'acoustique et le numérique. Et comme sur un synthétiseur, plus d'une centaine de sonorités sont à disposition. Comme c'est la table d'harmonie qui vibre comme si c'était les cordes, on recrée ces micro-vibrations dans le clavier. Donc en fait, on a la sensation physique du piano acoustique, même si on le joue de manière numérique. C'est la grande nouveauté de ce système transducteur, c'est qu'on recrée les sensations physiques de l'instrument acoustique, même si on le joue en numérique. Équipé du Bluetooth, ce piano fait aussi office d'enceinte connectée. Ce système, baptisé Acoustibride, a été déposé et est adaptable sur tout type de piano. Il sera présenté au mois de septembre prochain à l'occasion du Salon de l'Habitat de La Roche-sur-Yon.